Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un truc vraiment cool, comment transformer votre téléphone en appareil photo macro ou en microscope. Plutôt cool, non ? Pour cela, vous aurez besoin d'un lecteur DVD, d'un tournevis plat et d'un tournevis cruciforme, d'un cutter, d'une règle, d'une boîte de CD, d'un trombone, d'un élastique, d'une perceuse et d'un forêt. Pour commencer, on va prendre le lecteur DVD et le trombone, déplier le trombone et insérer-le dans la face avant, dans le trou prévu afin de déverrouiller le tiroir, comme ceci. Retournez le lecteur DVD et ensuite nous allons dévisser les vis sur le dessous du boîtier, ici. Retirez les vis. Enlevez ensuite les deux clips latérales de la façade afin de l'enlever. Le boîtier va donc pouvoir s'ouvrir, enlever les parties métalliques du dessus et du dessous. La lentille qui nous intéresse se trouve derrière celle-ci. Avec le tournevis plat, soulevez la lentille du dessus. Puis sortir la lentille qui se trouve en dessous. Celle-ci. Ensuite, prendre la boîte de CD, on ne va utiliser que la façade. Avec le cutter, on va découper une bande d'environ 1,8 cm. Après quelques rainures avec le cutter, la boîte de CD se casse facilement. Pour les modèles de type iPhone, on va faire un arrondi sur le dessus de la pièce plastique. La lentille fait 9 mm de diamètre. On va donc utiliser un forêt de 9 mm. Percez le haut de la bande plastique. Il ne reste plus qu'à positionner la lentille sur la bande plastique. On va maintenant placer la bande plastique, enfin la lentille, sur l'objectif du téléphone, puis ajouter l'élastique pour la maintenir. Vérifiez que la lentille soit bien positionnée devant l'objectif. Vous disposez maintenant d'un appareil photo macro. Vraiment cool, non ? Si on enlève notre lentille,
on voit tout de suite que la mise au point se fait de beaucoup plus loin. Et donc, impossible de faire des photos macro. Disposez d'un deuxième lecteur DVD, vous avez la possibilité de superposer deux lentilles, ce qui augmentera le grossissement. Impressionnant, non ? J'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez cliquer sur les liens ci-dessous ou jeter un œil à ma chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, faites attention à vous. Abonnez-vous, à plus et en bonus. Allez, abonnez-vous. À plus.